Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va commencer les cours de la physiopathologie de la première unité qui est destinée pour les étudiants de la troisième année de médecine par un cours très intéressant, c'est le cours des déséquilibres hydriques. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. On va le lien à Instagram et le Telegram dans la boîte d'infos. Les habs et activez les notifications. Et c'est parti. D'accord, on va par un rappel physiologique. On a droit à la répartition à état humain dans le corps humain. La quantité d'eau totale de l'organisme pour un homme de 70 kg, c'est-à-dire un homme normal sain, est de 40 litres, soit 57% de son poids total. C'est déjà fait, la moitié du corps corporel est composé par l'eau. Donc, peut atteindre 75% chez les nouveau-nés. Maintenant, chez les nouveau-nés, les trois quarts de son poids se forment d'eau. D'accord? Puis décroît avec l'âge. La quantité d'eau au niveau tissulaire et au niveau corporel en général. Ça baisse jusqu'à 45% chez un obèse. Maintenant, les patients ou les hommes obèses. Le tissu adipeux va remplacer le blasa li yemchi faha le ma. Donc, la quantité d'eau mène 57% à 45%. Donc, c'est pourquoi les obèses ont des problèmes, soit la pression artérielle, l'équilibre hydro-sodé. D'accord? Donc, un autre rappel physiologique, on a les compartiments liquidiens. Donc, le liquide, en général, les eaux et les électrolytiques sont répartis dans le corps dans trois secteurs. On a le compartiment intracellulaire, donc à l'intérieur de la cellule, la cellule, on trouve 63% de l'eau totale et se trouver au niveau intracellulaire. Puis pour le compartiment extracellulaire qui maintenant il est divisé en deux, on a l'interstitium et le plasma. Le plasma où on trouve les composants du sang, les globules rouges, blancs, les tissus immunitaires, les plaquettes. Donc le volume interstitial est 30% et 7% c'est pour le plasma. Donc le 40 litres gonfle le corps corporel, donc pour le compartiment intracellulaire et le baril pour le compartiment extracellulaire. Donc la balance hydrique, les rapports ou les apports hydriques, principalement par les boissons. Aussi la nourriture, elle compose aussi d'eau et l'eau produite par l'oxydation qui mène à par exemple la glycogénogenèse, la néoglycogénèse, aussi on trouve le métabolisme lipidique, il y a le bêta-oxydation, va donner l'H2O comme kanawat. Donc, avec une petite quantité, fut le balance hydrique. Pour les sorties, on a le sortie principalement et les urinaires, je parle d'excrétion rénale, on a la respiration bien sûr, aussi la peau par la sudation, les selles, une petite quantité comparément avec les autres compartiments. D'accord? Puis l'équilibre osmotique et les échanges liquidiens entre les compartiments intra et extracellulaires, comme on a fait l'eau et les électrolytiques, la loi de l'osmose, la loi de petite concentration vers la grande concentration. Donc c'est le principe de l'osmose et de la pression osmotique. D'accord? Puis cet rapport hydrique, il est régulé par plusieurs mécanismes. Par la régulation rénale, se fait par l'excrétion rénale de l'eau. Donc, selon l'état du patient, est-ce qu'il est mal hydraté ou il est bien hydraté ou
كيما نقولوها تري هيدراتي دونك راح تتصرف لينا. اذا كنا في ليطا دو مال هيدراتاسيون دونك راح لي تيبول رينو راح يدونا اون ريابسوربسيون توتال دو لو معناتها يمنعوا ليكسكريسيون رينال دو لو وراح نلقوا عند لو باسيون اون انوري او اون اليغوري اليغوري داكور اليغوري veut dire بلي la quantité urinaire est très diminuée et anorée, ça le patient. Donc, c'est selon l'état du patient. Et là, on est en état de bonne hydratation et on a en état où on a une hydratation bizarre. Donc, les tubules rénaux auront une quantité d'eau au niveau du compartiment vasculaire pour réguler la pression artérielle et aussi la quantité Zaida ou le Faida par les tubules rénaux vers l'extérieur, les voies urinaires excrétrices et se rejeter par les organes génitaux externes. D'accord? Donc parmi les hormones qui entrent dans la régulation qu'on a parlé en cas de mal hydratation ou de bonne hydratation, c'est l'hormone antidiurétique ou l'hormone qui s'appelle l'ADH. Donc l'ADH comme on sait elle est stockée dans la post-hypophyse, d'accord? Aussi la post-hypophyse on trouve deux hormones seulement, sont l'ADH et le prolactine. D'accord, ces hormones va jouer plusieurs rôles. Parmi les rôles les dakhlent fihom, désolé, c'est l'ADH et le prolactine. L'ADH et l'ocytocine, c'est pas le prolactine. Désolé. Donc parmi les régulations les dakhlent fihom, il y a la régulation rénale de rapport hydrique. Donc j'ai dit dans l'ADH, راح يتوضع les récepteurs موجودين عند الموجودين في الليغان. راح يدير une réabsorption total de l'eau parce que le corps interne c'est déjà souffrir et les cellules sont déjà souffrir en cas de malhydratation. La quantité d'eau non jouée dans le corps interne et va stimuler la sensation de soif les ou la tâche bich il dakhal le corps interne la plus quantité d'eau, d'accord. Puis, on a donc une stimulus, le neurone sensitif recevoir le signal nerveux. Les reins par les fibres sensitives, vers le centre neurologique ou le centre nerveux, l'hypothalamus et le neurohypophyse principalement. D'accord ? Tu vas l'ADH. Donc l'ADH va aller vers les récepteurs موجودين à la مستوى ليغا et va faire une réabsorption totale de l'eau par l'ERA. D'accord? Les stimulus osmotiques de l'AFP, l'hormone vasopressine ou l'ADH, c'est kif-kif, les deux nominations sont semblables. Donc les variations de l'osmolarité. Donc elle va déclencher une stimulation de l'ADH aussi. D'accord. On a lorsque l'osmolarité est augmentée. D'accord. Lorsque l'osmolarité est augmentée, va déclencher que le centre nerveux, le bilan hydrique est diminué. Donc à ça, la réaction que nous avons parlé. اللي هو تتنشط الهيبوتالاموس او النورو هيبوفيز وراح ياثروا على الليرا ويديروا اون ريابسوربسيون توتال دو لو كونترير سي لوزمولاريتي اي ديمينوي اي لو بيلون هيدريك اي اوغمونتي ان كا دون ايبر هيدراتاسيون على سا لو كونترير راح تصير اون انيبيسيون دو لا سيكريسيون دو لا دي اش اي دونك لي ران راح تخدم نورمال اي فا اكسكريتي Zaid min l'eau vers l'extérieur. D'accord. Le stimulus non osmotique de l'AFP ou l'hormone vasopressine, qui est des stimulus non osmotiques, mais bien la variation de la volémie, qui maintenant faut oublier la volémie, c'est elle est perturbée, perturbe la pression artérielle du patient.
Donc, on a fait une état de l'hypovolémie due par une hémorragie. Donc, le patient, c'est déjà, il est gêné par un accident, la tzrah. Donc, le choc hypovolémique qui est dû par l'hémorragie. Cette hémorragie, elle provoque une perturbation circulatoire, une hypotension. Hypotension artérielle avec une tachycardie réactionnelle parce que le cœur va réguler la pression artérielle par la tachycardie, puis c'est une éjection systolique. Donc, entraîne des réponses adaptatrices immédiates, comme on a libre en cas d'hypovolémie. Donc, on a une diminution dans le système cardiovasculaire, comme on a une hypotension. Donc l'artère rénale, les kènes stockent le sang, mais le cœur, yfrez l'arénine. L'arénine arrive dans l'angiotensine 2, bah, ça a une réaction, l'angiotensine 1, l'angiotensine 2 dans les poumons. Puis, ce hormone-là va stimuler la sécrétion de l'aldostérone par le glande surrénalienne. Donc les reins, l'excrétion de sodium et l'excrétion d'eau. Parce que qui m'en a fou, le main au sodium, dit main est tellement fait pas là. Donc, le deuxième cas, c'est un système à basse pression, qui m'a donné la pression artérielle. Donc, les barorécepteurs, l'hémojudine, les barorécepteurs, le cross de Raward, aussi. Le système sympathique et parasympathique sont le système sympathique sont une stimulation et une inhibition du système parasympathique et on a la sécrétion de l'adrénaline. Donc, le volume d'éjection systolique et les fréquences cardiaques sont une augmentation, le débit est augmenté, la résistance aussi elle est augmentée. La physiopathologie de l'HTA, on a vu qu'il fait la résistance et il va l'adaptation du cœur. D'accord? Les cœurs et les vaisseaux sont une vasoconstriction et la pression artérielle, c'est. دونك لا بريسيون ارتيريا راح تحاول انها تعالج الاشكال بصح وين راح نوصلوا ان طو وين راح يتعب لو سيستم سيركيلاتوار اي لا تاكيكاردي رياكسيونير راح تولي اون برادي كاردي اي راح تصالي اون ايتا شوك. راح نقرا ان شاء الله ما نسبقوش الاحداث, راح نقراها في الكور تاع لا فيزيوباثولوجي دو لانسيفيسونس كاردياك اي لو كور دو ليتا شوك ان شاء الله. داكوغ. La régulation des apports hydriques, le mécanisme de soif, le corps est hassas de la tâche. On a l'augmentation de l'osmolarité, veut dire les électrolytiques, l'ION K+, l'ANA+, aussi le chlore, plusieurs électrolytiques dans le plasma. Et on a un manque d'eau. La diminution de salivisation, salivation, le salive archionkos, d'accord? Aussi entre les osmorécepteurs de l'hypothalamus sont stimulés. Donc le centre hypothalamique du soif est stimulé. La libération on a de l'ATH, aussi la sensation du soif, une ingestion d'eau. L'ingestion d'eau va réguler l'absorption d'eau par le type digestif et le basse de l'osmolarité du plasma. L'osmolarité quand il est zaida, rah tonkos. De façon régulée et le rapport d'eau lesquels naqas yatla de façon régulée aussi la réponse à l'insuffisance des poisons qui fait le corps interne adapté déficit en eau intracellulaire donc et le déficit en eau extracellulaire le déficit il est situé dans les deux secteurs on a production salivaire réduite d'accord bouche sèche les signes une bouche sèche les récepteurs de la mucus buccale sont stimulés et va donner une transmission nerveuse par les fibres sensitives blé en état du soif aussi les osmorécepteurs de l'hypothalamus rahit athro aidan et les mécanorécepteurs surtout dans la paroi vasculaire et la sinus carotidien et aortique. Les mots je dis cross de l'aorte,
les mécanorécepteurs ils donc les mécanorécepteurs donnent un soif volumétrique par la diminution de la volémie et l'hypothalamus va donner un soif osmotique. D'accord. La réponse à l'accès d'apport, une statidité, halat shaba, va un dégoût de l'eau apparaissant, donc qui est un excès d'apport hydrique. Kifash nafou bli ana wassalna ldarja ana tashabba bilma, rah youlli l'eau sans goût, d'accord, le dégoût, ma tbach tahess bilt'ama ntaou. Lorsque les apports dépassent ou dépasse les possibilités d'excrétion, les excrétions rénales, l'hyposmolarité déclenche des nausées. Donc, le corps interne va être sensible aux nausées et les vomissements et tu sens que tu as besoin donc d'aller les apports hydriques internes parce que l'osmolarité sont elle est en bas quantité, en basse quantité. D'accord? Puis des vomissements qui constituent un mécanisme de défense. Donc les vomissements et les nausées, d'accord, va constituer les mécanismes de défense. D'accord. Puis on a les désordres de la balance hydrique. Si le stock, on a le stock sodé, comment il ça, qui fait ça le contrôle? Le stock sodé. Le volume extracellulaire, donc l'hydratation cellulaire, l'osmolarité, elle est efficace. La natrémie, elle est en barre à l'osmolarité, d'accord. Le stock hydrique, et d'ailleurs, les apports hydriques, c'est une inhibition de la sécrétion de l'ADH. Et de l'excrétion urinaire d'eau. Et là, qu'on a les apports urinaires, les apports hydriques sont diminués. Et là, c'est le contraire, la stimulation de l'ADH et des centres de soif. Et on a la réabsorption totale par l'ADH de l'eau au niveau rénal. Et en même temps, la sensation du soif. D'accord? D'accord. Puis classification. Type par type. Donc on a d'abord la déshydratation, diminution du capital hydrosodé. Les deux capitales, ça fait une perturbation. Le cause multiple. On a les diarrhées profuses. Donc les diarrhées qui m'informa sont contiennent une grande quantité de liquide. Donc les diarrhées profuses et les diarrhées répétées. راح يأثروا عن la concentration des électrolytiques et d'eau. Donc هذا علاش احنا comme des médecins ننصحوا الانسان اللي يكون عنده لي دياري بعد ما صار لي دياري يشرب مليح الماء pour compenser. Aussi les vomissements, les sueurs اللي يكون بزاف surtout face au safe, les brûlures va diminuer de façon rapide le bilan hydrique, d'accord, les l'eau et les électrolytiques. Donc ça, bizarre. Lavage gastrique répété, une intoxication de façon répétée. Aussi les causes urinaires en cas d'une insuffisance surrénalienne, donc insuffisance surrénalienne, pas de sécrétion d'aldostérone et de cortisol qui sont responsables de la régulation rénale. Qui m'a dit qu'en cas d'un choc hypovolémique, l'aldostérone va aider la régulation et la sensation de soif et va aider une tachycardie réactionnelle, d'accord. Ben qui est une insuffisance surrénalienne va et un état de déshydratation. Le diabète sucré, comme la dernière fois, les récepteurs de l'osmolarité vont défaillancer qui est en état de diabète. هذا علاش ديما لو ديابيتيك يشرب بزاف ويفقد بزاف في نفس الوقت. لو ديابيت انسيبيد في دير بلي لي ريسبتور رينو دو لا دي اتش ما يوليش لي ريسبتور ما يوليش تعرفوا على لا دي اتش, دونك لا دي اتش ما يوليش يخدم الخدمه نتاعو, دونك حنا ندخلوا في ليطا دو ديزيدراتاسيون. اي اوسي لي ديوريتيك لي يحفزوا هما دي ميديكامون يحفزوا على حشاكم التبول, دونك راح نفقدوا اون غروند كونتيتي. Donc, d'accord.
Aussi, la déshydratation elle a deux types. On a déshydratation primaire et déshydratation secondaire. Donc, par la déshydratation primaire, c'est une déshydratation par une manque d'eau seulement. L'eau, elle, ça fait le problème. Et les électrolytiques normales, donc c'est l'état de l'hypertonique. L'osmolarité. On a soit se fait par un défaut d'apport, et la consommation excessive d'eau endogène. Le problème, il est cellulaire. C'est un problème cellulaire qui est obligé une grande consommation excessive d'eau. Le compartiment intracellulaire, il y a des 63%, une pourcentage d'alarme, maintenant 80%, et on a un pauvre d'eau au niveau extracellulaire. Il y a le système vasculaire, donc ça a des dégâts. D'accord? Le volume d'eau et l'osmolarité allait augmenter. D'accord, on a l'augmentation bien sûr de la pression osmotique, la pression des particules solutées, et on a une déshydratation intracellulaire qui en cas de diminution des apports, on a une déshydratation intracellulaire, accessoirement une déshydratation extracellulaire. La cellulaire se fait le système vasculaire, puis déficit du secteur extracellulaire, une perturbation principalement de la pression artérielle, ou kimaguna, le problème de choc hypovolémique. Un choc hypovolémique qui m'a donné l'histoire des cas de une tachycardie. Il y a une stimulation de la midelle surrénale par la sécrétion de l'adrénaline et la corticale surrénale pour la sécrétion de l'aldostérone. Ça avec la régulation. D'accord? Pour la clinique, comme des signes cliniques, la sémiologie de ce syndrome intéresse essentiellement de la cellule. Le problème est cellulaire, donc les signes sont à l'état de la cellule. Et marqué par le soif intense, l'amaigrissement, parce que les cellules ont le calibre, le diamètre, donc un état d'amaigrissement. Aussi la fièvre, parce que l'état de déshydratation va favoriser les infections bactériennes et virales, parce que le corantana est en état de tarajo, d'accord? Et le trouble de comportement de la conscience, qui est ça, une hypotension. Hypotension artérielle, le débit sanguin cérébral, donc le cerveau marche le sang de façon correcte par les artères cérébrales, donc un état de perte de conscience ou des malaises ou des syncopes. D'accord? Pour la biologie, comme des signes sanguins, une hyperosmolarité plasmatique, valeur supérieure à 300 milliosmol par kilogramme, donc les osmolarités qui diront un inogramme. Le taux de l'Na+ est augmenté, K+ aussi, hypernatrémie, augmentation de taux de potassium, et aussi il y a l'hypercalcémie, et aussi l'hypercalcémie. D'accord? Le plus principal, c'est l'hypernatrémie. Le valeur est supérieur à 150 millimoles par litre, pouvant atteindre à 170 millimoles par litre. Mais parmi les signes les plus fréquents de l'hypernatrémie, on a un état de choc, pourquoi pas, des signes neurologiques sont installés et une perturbation corporelle et compartimentale de la conscience. D'accord? Aussi, les signes urinaires, dont le déficit hydrique dû à des pertes insensibles non compensées, une compensation, le patient qui a l'accident, ça a un choc hypovolémique.
رتسن اون اوليغوري معناتها راح تنقص بزاف لا لا كونتيتي دو اكسكريتي فيغ ليكستيريور باسكو اي ذره تاع ما يحتاجها لو كور تاعنا باسكو راه في ايتا دو مانك. L'urine rare et hypertonique, en français, qui dit le chimie des urines, du fait de la libération réactionnelle d'ADH. D'accord? L'ADH, qui dit une réabsorption totale, ou il y a une compensation. Donc, les urines sont très concentrées, la couleur terrain très foncée. Dans le diabète insipide, où il n'y a pas une réponse d'ADH, راح نلقوا une polyurie hypoosmotique. D'accord. Puis راح نهضروا على le deuxième type اللي هو la déshydratation secondaire. راح تكون isotonique ou hypotonique. معناتها راح نلقوا soit une le manque d'eau avec une normalité de l'osmolarité ou manque de deux paramètres اللي هي l'osmolarité et l'eau. La cause est le manque du sel par perte de liquide biologique contenant des électrolytiques. Donc, principalement les diarrhées, d'accord. Dans telle condition, si le sujet continue à absorber de l'eau, les signes de déshydratation extracellulaire sont apparus. Donc, on a un parfois, hein? Donc, l'ANA+, au niveau extracellulaire, veut dire dans le milieu vasculaire est diminuée, la pression osmotique, bien sûr, elle va diminuer, les fuites d'eau vers la cellule, donc l'eau rejoint le compartiment, parce que l'ANA+ diminue au niveau extracellulaire, le compartiment intracellulaire. كما قلنا بلي لو ولا انا بلوس يتبعوا بعضهم دونك راح يصرا في الدو فيغ لا سيلول راح يولي راح تزيد لا كونسونطراسيون سيلولار بار لو اي كما سموها لو فلويد اي اون ا اون هيبر هيدراتاسيون سيلولار مي هي دو فاصون انترا سي لو كومبارتيمون انترا سيلولار مي بار كونت اون ميليو اكسترا سيلولار كي صرا لي هذا الفلويد فيغ الميليو انترا سيلولار راح تصالي اون هيبو فوليمي. هذا علاش قلنا باللي هنايا باللي اون لا ديزيدراتاسيون راح نلقو دون تيك كونديسيون سي لو سوجي كونتيني ابسوربي دو لي سين دو ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير اللي هما نمسلو حتى لو كولابسوس معناتها باللي لا ريغولاسيون اللي هضرنا عليها لادوستيرون اي لادرينالين كي سون سيكريتي بار لا غلاند سورينالين سوا لو ميدولو او لو كورتيكو سورينال راح هذه لادابتاسيون elle va avoir une défaillance, on va nous sur l'état du collapsus artério-capillaire, اللي هي وين لي ريسبتور لي موجودين في الكور نتاعنا لي تحسسوا بالوزمولاريتي اللي هما لي بارو ريسبتور لي ميكانو ريسبتور تصير اون ديفايونس ولاو ما يولوش يتاثروا بالادرينالين اي لالدوستيرون اي سي سا لو ستاد تيرمينال اي راح هنايا وين لو كور نتاعنا يحبس ديريكتومون اتصالو ان ايتا شوك. ايتا شوك veut dire بلي راه وصل لا فاز تيرمينال دو لادابتاسيون وخلاص ماش طايق يتحمل اكثر من هيك. داكوغ. ديزيدراتاسيون سيكوندير معناتها عندنا بيرت سوا يكون لو بيرت دون لو دو كومبارتيمون كيما قلنا لهنايا une perte hydrosodée, diminution du volume plasmatique, diminution du débit cardiaque, qui m'entendait, ça une hypovolémie, diminution du retour veineux, bien sûr, le retour veineux vers le cœur, ça une oxygénation au niveau pulmonaire, et on a comme dessine une hypotension avec une tachycardie réactionnelle. La diminution aussi du débit de filtration glomérulaire parce que le débit s'engage sur l'artère rénale par le cœur, donc il y a une insuffisance rénale et on a le tajamma les produits toxiques et les déchets métaboliques au niveau sanguin. D'accord? Donc on va favoriser l'insuffisance rénale. Pour la clinique, pas de soif, d'accord? C'est le signe évocateur, pas de soif. Parce que le bilan hydrique est normalisé et le bilan de l'osmolarité est perturbé. Donc le corps d'Anna, mais j'arrive à te faire la tâche. Les pertes modérées du poids, ça lui un amaigrissement aussi. Les plus cutanées, c'est un signe de déshydratation extracellulaire.
D'accord? Les globes oculaires enfoncés et hypotoniques, et hypotoniques, on a une hypotension artérielle et une diminution de la DRS, bien sûr, parce que la diminution de la DRS, c'est un signe qui est une insuffisance rénale. La biologie, une hyponatrémie, une augmentation de l'urée, les maladies métaboliques, c'est un signe spécifique de l'insuffisance rénale, d'accord. Et l'augmentation de l'hématocrite, donc l'urée et les créatinines de façon spécifique plus. Et on a l'augmentation de l'hématocrite, qui m'a l'hématocrite, c'est la concentration des globules rouges au niveau sanguin. Donc, le volume sanguin va augmenter et les globules rouges vont augmenter beaucoup au milieu. Donc, l'hématocrite, on va voir beaucoup, sont parmi les signes que l'on va voir. D'accord. Par contre, on a les états de l'hyperhydratation. On va voir l'état de mal hydratation. On va voir l'état de l'hyperhydratation. La lutte contre un apport d'eau inapproprié, donc manche mérigène, nécessite de la part de un travail de dilution maximale des urines. D'accord? Or, la fonction homéostatique pour la régulation des reins est orientée avant tout vers la conservation de l'eau et du sel, et donc à la fois vers la réabsorption et la concentration des urines. La lutte contre un apport d'eau excessif a donc une limite. Donc, Kimagona, la régulation rénale, elle est toujours limitée. On permet les maladies de Nagorm, les facteurs régulatrices il est dépassé, donc elle permet ici l'insuffisance. Puis on a droit les types de l'hyperhydratation extracellulaire, c'est principalement chez l'œdème, d'accord. Parmi qui m'a la malhydratation, on a fait deux types extra et intracellulaire. L'hyperhydratation, c'est la même chose. Le premier type, on voit l'hyperhydratation extracellulaire. On trouve l'œdème. L'œdème, c'est quoi un œdème? C'est l'intifère, le gel D. La répartition d'eau au niveau de l'interstitium. Une quantité excessive d'eau au niveau de l'interstitium cellulaire. D'accord? On trouve. D'accord, il y a une surcharge hydrique, va donner une diminution de l'osmolarité, l'inhibition de la sécrétion d'ADH, parce que l'ADH m'a un effet de lactate, et la DRS, elle va augmenter, et la surcharge hydrique de façon répétée va donner l'œdème, donc la répartition d'eau au niveau cutané. Aussi, la volumie. Une augmentation, le risque d'HTA, l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, parce que le système va augmenter la pression artérielle. Donc, on est en état de régulation. On va dire une régulation de l'HTA, mais on juge le système angiotensine-aldostérone. Et la natriuèse veut dire qu'il y a une excrétion massive des électrolytes, l'Na+ et K+. Au niveau urinaire. Donc les causes, les apports de liquide hyperosmolaire, donc qui ne sont pas les liquides hyperosmolaires, une surcharge hydrique, l'altération de la fonction rénale, donc la charge hydrique est normale, mais il y a une altération de la fonction rénale, surtout fuite du tissu rénal, les électrolytiques. Sécrétion NAD4 de l'ADH. L'ADH fait de façon régulatrice, de façon correcte. Et l'aldostérone, donc un problème hormonal. La clinique, on a deux œdèmes. Donc une hyperhydratation extracellulaire va donner permis les principales. Étiologie, les principales signes un œdème, d'accord, et la perturbation de l'état vasculaire. Pour la biologie, on a une hypernatrémie qui m'a dit que l'ANA+
من لوسان من افيك دي زورين مي كيما قلنا راح الماء راح يتبع الصوديوم راح نلقى اون ديمينيسيون في لي زوتر électrolytique, le K plus, Na plus, le calcium, mais une défaillance de Na plus, mais une hypernatrie. D'accord? Pour le deuxième type, l'hyperhydratation cellulaire ou intracellulaire, l'excès d'eau entraîne un gonflement des cellules, donc une hypertrophie cellulaire. Une certaine adaptation entraîne un retard des signes cliniques. Les signes cliniques, mais je suis extracellulaire, l'intracellulaire, ça a un retard. Mais pour le cerveau, l'objet d'une boîte osseuse inextensible, qui m'a la crainte, c'est une boîte inextensible qui aide l'eau et le gonflement des cellules cérébrales. Les conséquences sont habituellement sévères, que ce soit des œdèmes cérébrales ou une HIC, l'hypertension intracrânienne. Ce syndrome constitue une véritable intoxication par l'eau des cellules de l'organisme. Donc, que ce soit des cas mortels. Cette rétention d'eau intracellulaire est presque toujours due à une insuffisance rénale, donc les reins ont déjà la capacité de produire des urines ou d'excréter des urines vers l'extérieur. Les causes, on a sécrétion inappropriée de l'hormone de CAADH, d'accord, ce hormone là va perturber le bilan hydrique, on va avoir une hyperhydratation intracellulaire, la production ectopique d'ADH, donc l'ADH راح تفرز معناتها production ectopique معناتها l'ADH راح تفرز من بلاصه ماهيش هي البلاصه الابيتوال اللي تفرز منها l'ADH, donc un autre cellule ou un autre organe يولي يفرز لنا في l'ADH, هذه هي la production ectopique. Et on a l'excès de poisson, d'accord, الانسان يشرب بزاف المشروبات. Donc la clinique, bien sûr, on a un dégoût de l'eau, d'accord, nausée et vomissement, des crampes musculaires parce qu'il y a une hypertrophie du tissu musculaire, c'est déjà mes conches en malaise, aussi des céphalées et des confusions et de coma. Dans les trois signes, j'ai l'hyperhydratation des cellules cérébrales, le gonflement de ces cellules, qui les céphalées, les confusions et le coma, ce sont des signes neurologiques qui connaissent. كاينين دلاله على ان وصلنا ان ستاد تارديف ستاد غراف سوتو اي لا غينا اون انستالاسيون دو كوما. بور لا بيولوجي بيان سور راح نلقاو اون ايبوناتريمي داكوغ باسكو لانا بلوس راح يقعد في لو ميليو اكسترا سيلولار اي لو كومبارتيمون انترا سيلولار راح يغلب عليه بيان سور لو. كما كنا وصلنا لاخر الكور, ابونيفو في لاشين يوتيوب و اكتيفي لي نوتيفيكاسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.